Même si ça marche plus, je connais pas sucé. Si y'a les rats qui se ramènent, c'est mort, je me rends pas. Retard, t'as raison, près toute ma génération. Ils ont mangé des mandats, des grosses condamnations. Bébé, si t'es... Il répond tout le temps normalement, Sam. Oui, monsieur Elias. Ouais, allô, Sam. Oui. En fait, on était après en train de parler des maillots en live, mais les viewers, ils ont une petite demande. Ouais, dis-moi. En fait, ils voudraient que, avec le pack fondateur, on ait accès à un OnlyFans sur lequel. Ouais, parce que moi, j'ai une personne qui est emprisonnée qui essaye de se libérer là. T'es pas sorti de l'hôpital psychiatrique? Gros, tu es où? Non, mais je suis à l'hôpital psychiatrique, je suis parti voir les gens en prison et vas-y, il crie là. Voilà, je suis désolé, je dois lui donner ses cachets là, il les a pas encore pris. Ok. Bref, ils veulent l'OnlyFans des joueurs, ils veulent un OnlyFans d'équipe, de groupe. Alors, moi perso, j'ai déjà parlé avec Serendi pour son OnlyFans, il est bouillant. Il est bouillant. Les billets dans la tête, TTF, Mohad 2 MZ, celle où j'écroule un pet. Pas dans le game, on se mélange pas ces gangs, je viens de la HES, ok, génération fourchette en guise d'antenne, et là ils sont choqués. Alexa, tu crois en Dieu? La religion est quelque chose de très personnel. En ce qui me concerne, j'ai fait d'internet et du wifi ma religion. Starfala Alexa, wesh. T'es une zeb, wesh. Elle est malade, elle. Mais attends, je suis choqué. Je suis arrivé, j'étais en caleçon peignoir, donc on voyait mon torse, on voyait mes guibolles, comme quoi j'étais en caleçon, mais un peignoir par-dessus. Et les gars, quand il est rentré, waouh, là j'avais trop honte. Parce qu'il a ramené le plateau et tout, bon, il a forcément regardé autour de lui. Et il y avait Loli dans le lit, il était un peu mort, tu vois. Bon, il était défoncé en gros, mais il était sur son tel. Et il y avait moi en peignoir, et ça faisait comme si je venais de lui mettre 3 rounds. Il a dû nous prendre pour des homosexuels, tout simplement, frère. Et au final, j'étais un peu gêné, enfin bref. Et oui, et Koba, non mais ça dinguerie aussi. Mais en fait, Zabi, il y a eu un mois de fou furieux. Genre, là on est mi-janvier, j'ai l'impression qu'on est déjà au mois de mars. Tellement il y a eu de trucs et trop de drama, trop de machin, trop de trucs. Koba, en gros, il était à Marseille, il s'est fait embrouiller. Genre, il y a un mec qui a voulu le racketter ou je sais pas trop ce qui s'est passé et genre je sais pas, le mec il embrouille Koba, il lui dit ouais, vas-y, je sais pas, je crois il veut lui voler son téléphone, ça j'en ai aucune idée, je ne sais même pas. Et je crois 3 heures après le mec a voulu voler Koba, en train de se faire snapper, en train de se prendre des tartes et tout. C'est très beau. Top combien? Ça n'égale ni la framboise, ni la fraise. Ah mais c'est de la framboise. Ah ouais. Mais c'est de la framboise d'Asie, c'est quoi ça? Ça c'est de la framboise. On dirait mes couilles après une branlette. Frérot. De quoi je peux... Ah voyons, moi je suis bon. Les gars, je ne ressens aucune trace d'intelligence émanant de cet individu. Ah mon dieu, j'ai un gros problème, je sais pas si vous avez ce problème ou vous aussi. Vous voyez les casquettes, genre le... Oh mon dieu. En gros les casquettes, vous voyez la matière de la visière. Et bah je déteste ça. Je déteste ça, ça me fait une sensation trop bizarre aux dents, wesh. Ouais. Elle m'a mis un coup de casserole. Ils font trop de manières en mode ils sont pas QLF avec la France alors qu'ils nous prennent un petit bout de territoire. Bon vas-y, on leur a laissé. Mais ils font un peu trop les mecs par contre avec ce petit bout de territoire quand même. Ça c'est juste que mon impression. Et je suis pas raciste, je suis pas monégas raciste. J'aime bien les... Il y a des monégas qui sont gentils, c'est des bons et tout. Mais ça pète plus haut que son cul à Monaco là. Vie de ma mère c'est trop hein. Oh, redescendez à Monaco les gars. Redescendez. C'est pas parce que votre... C'est pas parce que l'eau et l'ice tea et toutes les boissons soft c'est à 10 euros qu'il faut prendre le melon les gars. Doucement. Par contre, les gars, vraiment, je vous parle sérieux. Avec mon ban, j'ai découvert une nouvelle commu. Et franchement, les gens de TikTok, si vous nous regardez de là-haut là, de chez vous, qu'est-ce que je vous aime. Non, je vous jure, on les critique trop, c'est des crèmes. On les critique trop, on les prend trop de haut, les FC TikTok, alors que je te jure, on devrait pas. Ça, c'est des crèmes, c'est des bons. Frérot, ils sont trop tigeants. Jusqu'à que je commence à prendre des stéroïdes pour bien me mettre. Mais frère, t'as trop de testostérone dans le sang. Si tu prends des stéroïdes, tu vas... Ah, et mon pied, quoi? Tu vas baiser tout ce qui bouge. Mec, t'as trop de testo, vraiment, c'est pas bien. Tu peux pas avoir trop de testostérone comme ça. Comment ça? Mais mec, t'as trop de testostérone. Et alors, les stéroïdes, y'a des testostérone? Bah oui. Ah ouais? Oui, tu vas avoir double dose, mec. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire endurant et tout? C'est-à-dire, tu vas tout le temps bander, gros. Ah ouais? Ça fait plaisir ça. Quoi? Mais tu te branles déjà H24, mec? Non, ça va rentabiliser mon jogging gris, la conne. Si je bande tout le temps, je mets mon jogging et hop, dans la rue. Non, mais attends, les filles, elles aiment les jogging gris, elles aiment pas voir la moulure de ton gland dans ton jogging gris. Je t'assure que les meufs en jogging gris kiffent voir la forme
des gang. Mais pas quand tu bandes. Ah, ça fait bander. Mais oui, tu vas bander tout le temps, mec. Je comprends pas. Oh, il m'a trop fait peur. Il m'a trop fait peur, frère. Je savais pas, il était dans ma chambre. Bah, nique ta mère. Bah, voilà, bah, nique ta mère. Baiser, frère. À croire, c'est lui, il est allergique de moi. Eh, c'est moi, je suis allergique de lui, frère. Il fait trop le zub avec moi, ça me choque. Vous le savez, voilà, je voyais le chat. Zubby, il y a eu 3500 subs là, je crois, rien que pendant l'intro. La vie de ma mère, merci les frères. Merci du fond du cœur, je vous aime, vous m'aviez trop manqué. C'est quoi ? Ouais ! Ça va mon frère? Bah ouais, ça va. Zabi, ça fait un mois que je t'ai pas vu. Tu me calculais plus là, ça fait un mois que je me calculais plus. Bah ouais, ah, toi aussi maintenant tu me calculais. Oh non. Ah, pendant un mois vous me calculiez plus hein. Maintenant vous arrivez, vous faites les gentils avec moi. Non c'est bon, j'ai pas fait un ça. C'est bon, vas-y. Bah, c'est un bon stream. On se pète après, de toute façon, je vais parler et tout, tu vois, parce que j'ai plein de trucs à leur dire. Et après si vous voulez qu'on se pète, on se pète hein. Vas-y, parle. Vas-y, c'est bon. Bienvenue chez toi. Ça va les frères? Il y a Elias Sidor, il est fatigué. Il est en extreme yes life, du coup il est en train de dormir, mais il vous fait des gros bisous de là-haut si jamais il nous entend. Les gars, Zubby, j'ai mis le costard. Regarde, tu vois, c'est des restaurants en bord de mer. Regarde, je vois il reste des tables, mais je me dis Belek c'est sur réservation ou un truc comme ça. Loli qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le resto, trop malin Loli. Loli, 1 milliard de QI. Parce que lui en fait, il le savait. Loli le savait, moi je le savais pas. Loli, il appelle le resto. Bonjour, on voudrait réserver, on est 5. Oui, bonjour, quel est votre nom? Thomas, tu vois. T'as pas ce crème. Les gens ils disent bon, vas-y, c'est bon lui, il nous posera pas de problème. On attend, elle nous dit ouais, vous arrivez dans combien de temps? On arrive dans 10 minutes, tu vois. On arrive dans 10 minutes. OK, nous on reste devant un petit peu, on fume notre clope, on temporise et tout. Et il nous guettait, t'as vu? À l'accueil, la meuf elle nous guettait comme ça. On revient. Moi, j'arrive, sourire aux lèvres. Rebonjour madame, on est 5, on a réservé. Le visage de la gadji, il s'est décomposé. Décomposé sa mère. Elle savait plus où se mettre, cette connasse. J'ai une question un peu similaire. Ok. Tu fréquentes une fille, ça se passe bien, le feeling y passe. Mec, tes questions, elles sont hard. Oh, les questions de. Oh, gros, elles sont dures. Hein. Vous tombez amoureux, petit date, petit bisou, ça se passe bien. Et là, d'un coup, elle et toi, vous apprenez en même temps que vous êtes cousin et cousine. Qu'est-ce que tu fais? Je la bouille à fort. Ah frérot, mais pas du... Ah merde, j'ai niqué mon casque. Ah merde. Eh hey, gros. Bon, cousine ou pas cousine, gros. Yo les BG, aujourd'hui... Maes, dinguerie aussi sa mère. Mais Maes, vous savez qu'il est dans la merde hein. Genre j'ai peur qu'il se fasse tuer. Il a fait quoi Maes? Vous êtes pas au courant? En gros après c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Et s'il vous plaît, si jamais il y a des mecs de Paname qui veulent tuer Maes et qui voient un extrait de ce live, ne vous en prenez pas à moi. Moi je suis juste un viewer qui entend. S'il vous plaît, n'essayez pas de me tirer dessus ou quoi. Moi je suis pisse, ok. Fais mon disclaimer comme ça au moins je me fais pas tirer dessus si jamais je vais à Paris, ok. En gros Maes, à ce qui paraît, il s'embrouille avec des grandes sociétés. Et à ce qui paraît, il a tiré sur des pélos. Il a tiré sur deux mecs. Et Zaba, il est parti à Dubaï. Il a pris femme et enfant. Il est parti à Dubaï là. C'est quoi ton jeu préféré? Le jeu de la biscotte. Le jeu de la biscotte, c'est une dinguerie. Je joue tout le temps avec mes potes. Parlez le bon américain là. Oh, c'est un petit juif. Tu vas voir le maire. Mais c'est pas fait. Écartez-vous des barrières, sinon je vous tasse. Et c'est un petit marine. Bien dit, monsieur le maire. Un petit marine? Je sais pas. Ah, bien dit, monsieur le maire, bien dit. C'est un foulard. Ah non, c'est pas un feu, c'est pas une kippa. C'est une kippa? Mais oui, c'est une kippa. Ah, mais oui, c'est vraiment un zboula. Je suis mort. Ok, c'est pas équipa, c'est des trucs russes là. Tu fais 2 top 1 d'affilée, je te donne 15€, t'es chaud. Va te faire foutre, t'es sérieux toi? Écoute ce que je réponds à ta proposition. Ça te va ou pas? Pourquoi y'a Zemmour derrière? Wesh, bizarre, je suis raciste, je suis choqué. Attends, mais vu que j'ai pas de cam, ça veut dire que je peux manger mes crottes de nez en live là, personne va voir. Trop bien. Pour dire c'est la boîte à son père. Je peux me gratter le cul, je peux. Je me demande si des fois les streamers comme ça ils se mettent des coups de pression, genre ils enlèvent leur cam et.
mais je te mens pas, je suis pas à l'aise dedans. Je suis pas de ceux qui jouent dans les deux camps. Elles sont cheloues, t'as beuh être à deux camps. J'entends Christian Dior dans toutes les musiques, y'a toujours des moutons qu'apporte le temps. On veut des rentrées d'argent conséquentes. Après la rafale, tous ces gosses s'étendent de l'Est. Ouais, ils peuvent monter les frestes. Pour le buzz, pas pour la daronne.